Je n'ai pas aimé ton poste, Maman Doka. Tu as fait un très très beau direct hier. Non, tu ne l'appelles pas comme ça ici, Kantachou. Je refuse ça. Je refuse ça. Je te dis bien que tu ne l'appelles pas comme ça. Je ne veux pas de petit nom dans mon direct. Je refuse. Maman Dorcas, tu as fait un très très beau direct hier. Voilà. Ton live, Djela, était bien. Les conseils que tu as donnés à Tata Lolo, c'était des bons conseils. Moi, j'ai aimé. C'est comme ça. J'ai aimé les conseils que Maman Dorcas a donnés à Tata Lolo en parlant à sa soeur à cœur ouvert. En lui disant certaines choses. Mais dans les commentaires, il y a des gens qui disaient que non, il faut l'appeler pour parler. À un moment donné, arrêtons un peu. Oui, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Maintenant, la personne qui a envie de m'insulter n'a qu'à m'insulter. Ça ne me dit rien, ça ne me dérange en rien du tout. Je vous dis ça, Oha. Voilà. Non, Belin, c'est hypocrite de dire zéro conseil sur Facebook. C'est hypocrite de dire zéro conseil sur Facebook. Arrêtez. Tu comprends ce que je veux dire? Arrêtez de dire que ce n'est pas normal qu'on donne les conseils à quelqu'un sur Facebook. Moi, quand tous les blogueurs font des émissions, ou quand tous les une personne, ce n'est pas parce que je m'entends avec quelqu'un que je ne peux pas venir dire à la personne que non, ici, tu n'avais pas bien agi. Ici, tu n'as pas bien fait. Dans un moment donné, moi, je dis que Maman Dorcas n'avait pas à se... Comment est-ce que je vais dire ça? À s'excuser. Elle n'a pas à s'excuser. Maman Dorcas n'a pas à s'excuser parce que son conseil qu'elle a donné, ce n'était pas mauvais en soi, en fait. Je ne vois pas où était le problème. Elle n'a pas livré Tata Lolo à la verdict populaire. Voilà, alors c'est ça votre problème. C'est ça votre problème, au fait. C'est ça votre problème. Je suis désolée. C'est ça le problème. Pourquoi quand il s'agit de certains des autres, je ne sais pas quoi, ça ne pose jamais un problème. Moi, je ne comprends pas. Maman Dorcas, moi, je te dis bien que ton direct, les conseils que tu as donnés, pour moi, ça avait un sens. C'est ma compréhension. J'ai dit, pour moi, ça avait un sens. Oui. Tu n'es pas, elle n'est pas la seule à qui on parle sur la toile. Il y a parfois même Flore qui est la Numba Uno. Parfois quand je parle dans les lives de la tigresse qui est la maîtresse chez les abeilles. La toile est faite pour ça. Je dis que Maman Dorcas a donné des conseils à sa soeur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un dans mon blog. Oui, j'ai appris. J'apprends à avancer seul. Comme je dis là, je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Maman Dorcas fait un poste si j'ai offensé. Tu as offensé qui? Tu n'as offensé personne, Maman Dorcas. Moi particulièrement, je vois que tu n'as offensé personne. Tu as dit ce que tu pensais et tu as fait ton analyse. Tu comprends que peut-être il y a eu un manque de tact, mais hélas, tu n'as offensé personne. Moi, tu n'as offensé personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit te reprocher le fait que tu parles? Donc, à chaque fois, mais ce qui est bizarre, disons-nous un peu de certaines vérités. On dit que oui, il faut parler à Nimbos, mais parfois, c'est les choses qu'on va aller dire à Nimbos, ça se retrouve sur la toile. Enfin, alors comment? On fait alors comment? Mais Maman Dorcas a estimé que il y a eu peut-être si elle vient dire à sa soeur que non, ma, évite même parfois cet indirect. Parce que les gens t'attendent au tournant. Les gens attendent que non. Dès que toi tu parles là, ce que toi tu dis et que tu ne penses pas dire de. Mais Tata Lolo, c'est une grande personnalité. On tape sur tout le monde. On dit des choses à tout le monde. Est-ce que les Français, quand ils font leur tour de politique, n'est-ce pas, ils se mettent à la télé pour dire Emmanuel Macron que ce que tu fais ne me plaît pas? On te dit, même si je suis ta soeur, mais ça va pas empêcher que toi et moi on reste des soeurs. Apprenons à accepter des choses, la critique, apprenons à dire que oui, apprenons à comprendre que ici la tête, on peut me dire ça, ça ne me plaît pas.
Moi aussi je digère. Oui. Ah non, moi je ne comprends pas pourquoi on est en train de la... on en veut à maman Dorcas que oui, elle n'aurait pas dû, il fallait forcément qu'elle appelle Tata Lolo. Moi ma question est de savoir, est-ce que dans le bloc camerounais, tout ce qui se dit en aparté reste en aparté? Est-ce que tout ce qui se dit en aparté reste en aparté? Parfois vous dites, on dit des choses derrière. Oh, on a dit ça. On a parlé derrière. Ça revient encore nous retrouver sur la toile. On ressent encore les mêmes voix qu'on avait dit derrière. Ça revient nous retrouver sur la toile. Les mêmes choses que quelqu'un t'a dit en aparté, ça revient sur la toile. Donc finalement, vous, on fait alors comment? Oui, je suis pas d'accord, maman. Donc, à ton poste, là n'a pas lieu d'être. Ah oui, mais moi, je te dis la vérité. Hein. Ton poste n'a pas lieu d'être. Tu as dit ce que tu pensais. Donc, elle voit le mal venir de loin. Elle le sait. Tata Lolo aussi doit comprendre que non. Maintenant, bon, on va reprocher à Dorcas d'avoir dit à Tata Lolo que ceci en live. Mais Tata Lolo aussi pouvait ne pas venir dans le live de maman Dorcas et de parler à maman Dorcas en live. Oui. Tata Lolo aussi pouvait aussi rester calme. Maman Dorcas finit son live aussi. Et puis elle appelle sa soeur aussi derrière et elle parle avec elle. C'est aussi ça aussi la sagesse, non? Vous reprochez à maman Dorcas. Est-ce que vous avez aussi dit aussi à Tata Lolo que non, ma, tu as mal fait de venir dans le live de maman Dorcas. Lui dit aussi ce que toi tu as dit là. Donc ça veut dire que les deux ont fauté. Parlons peu, parlons vrai. Moi je suis électron libre, je n'appartiens à personne sur Facebook. Je dis ça au roi et je dis ce que je pense. Voilà. C'est ça. Il faut accepter la critique. On ne peut pas toujours être en train de dire que oui, c'est bien, oui, c'est bien, oui, c'est bien. Non. Parfois aussi, en public aussi, on vient te dire des choses. Je me rappelle quand Flore a souvent, elle a voulu dire des choses à Nicole. Si elle a parlé et que Nicole n'a pas compris, elle est venue en avant et dit non. Maintenant, que Dorcas s'est parlé derrière ou en avant, moi je pose la question à savoir que. Personne ne doit diriger mon bloc. Oui. Maman Dorcas, tu es une grande blogueuse. Maman Dorcas, tu es une grande dame. Maman Dorcas, ni les followers. Ni personne ne doit venir te dire ce que tu dois faire dans ton blog. Que ça plaise ou ça déplaise, je m'emballe. Oui, oui. Maman Dorcas, tu dis ce que tu veux, comme tu le sens. Oui. Tu dis ce que tu veux, comme tu le sens. Attends. C'est logique. Si je décrypte le live là, je vais prendre le live là, je vais m'asseoir dessus, je vais décrypter ça, vous allez voir. Et vous allez comprendre. Non, ça ne se fait pas. Arrêtez de voir le mal partout. Il faudrait que les lolomanias, excusez-moi de vous citer, mais arrêtez de voir le mal partout. Vous voyez toujours le mal partout. Vous n'aimez pas la critique. Je ne sais pas. C'est pas bon. Dans la vie, quand vous critiquez là, c'est là où on change. La critique t'amène à changer, t'amène à grandir. Oui. Poste la m'énerve. Vous voici en train d'aller travailler mon argent. Hein. Je n'attends rien de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas besoin que vous me donniez quoi que ce soit. Je viens sur toi parce que j'aime. Ça me détend. Mais je sais sortir, aller chercher mon argent. Donc personne n'a me dit quoi dire ou quoi faire. Mais c'est quoi? Oh, tu ne devais pas dire que. Oh, tu ne devais pas dire que. Mon frère! Donc tu vas voir où t'as, si ta soeur trébuche. Ta soeur fait un truc qui ne va pas, tu vas pas lui dire. Pourquoi? Pourquoi? Vous dites toujours qu'on ne pleure pas. Ah, ne pleure pas sur Meta. Mais moindre coup, vous pleurez. Non, excusez-moi, les Lolomania, vous pleurez beaucoup. Pardonnez. Je vous le dis, je suis désolée, mais je dis ça. Je n'ai rien contre vous. Mais
mais acceptez la critique. Acceptez qu'on dise que ici là vous avez mal agi. Ici là il y a ça. Même si elle n'a pas raison, même si c'est que elle dit que Tata Lolo, on dit que Tata Lolo n'a pas fait. Mais pour l'instant, elle est en train de parler. Est-ce que quand Tata Lolo alors arrive aussi dans son direct, tu lui parles aussi comme ça, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Voilà, je ne prends la défense de personne, je donne mon avis. Je ne défends personne et je donne mon avis. Nerve. Voilà. J'ai ton blog. Tu as les personnes qui t'aiment. J'ai ton blog. Tu as les personnes qui t'aiment. Moi je dis ce que je pense. Maman Dorcas, tu as fait une good. Tu as dit que tu as donné des bons conseils. Voilà à ta soeur. C'est tout. Tu n'as offensé personne dans ton direct hier. Tu n'as offensé personne. J'étais là, j'ai écouté. Je n'ai pas commenté. Je ne sais pas si tu as même salué. Mais j'ai suivi ton direct. Non, on ne va pas passer le temps à dire que. Si c'était qu'on prend comme ça, on rabâche d'autres personnes. Oui, c'est bien. Non. Franchement, je suis désolée. Hein, Emma? Pardon. Pardon, maman Dorcas. Pardon. Ne te sens pas muselée. Ne te sens pas mal de dire ce que tu penses. C'est tout. Mais... on va parler même parfois. Parce que même quand on appelle, ça finit par nous retrouver sur Facebook. Donc mieux, tu allumes ta caméra, tu dis toi ce que tu dis là, tu quittes toi dessus haut. Oh, et tu es tranquille. C'est tout. Il y a quoi? Il y a mon dom. Non, excusez-moi, les Lolomania, vous pleurez trop, dis donc. Vous pleurez beaucoup. Quand on est avec vous là, on ne doit pas s'exprimer. On ne doit pas dire des choses librement. On doit seulement être dans que, voilà. On écoute. On adhère. On ne doit pas aller contre. Non. Je suis désolée. Hey, mon frère. J'ai dit ceci que du haut de mes 43 ans, il n'y a plus personne qui va me dire quoi que ce soit sur Facebook. Du haut de mes 43 ans, je dis ce que je pense quand j'ai envie. N'attends pas l'autorisation de quelqu'un, je demande la permission de personne. Voilà alors. Voilà le truc qui vient dire que blablabla, tu montres ton aigreur, n'importe quoi. Mais vous êtes malade sur Facebook, hein. J'ai l'impression que vous avez un gros problème sur Facebook. Vous n'aimez pas. On ne peut pas vivre sans critique dans la vie. Oui, moi-même, souvent je fais des choses, mes enfants, maman, non, ce n'est pas bien. Quoi le problème? Mon négro, c'est quoi? Tu m'as vu insulter quelqu'un? Quand ce n'est pas dans le sens de tel, c'est un problème. Quand ce n'est pas dans le sens de tel, oh, c'est un problème. Mon frère, finalement, on fait quoi? Donc, à un moment donné, c'est comme on dit que mieux une place, non? Tu tapes, tu dis ce que tu as dit. Où est l'aigreur? Où est l'aigreur là-dedans? Parce que je dis que maman Dorcas a bien parlé. Maman Dorcas, tu as bien parlé aujourd'hui, demain et après-demain. Je dis ça, oh ah. Et ça ne chauffe pas. La personne qui n'est pas contente me bloque ou se désabonne. Eh, pardon. Pourquoi est-ce qu'on va voir que maman Dorcas a son discours était parfait, c'était clair et net. Il y a quoi de méchant? Elle n'a rien dit de mal. Elle a conseillé. Comme tout le monde. Et qui est? Elle a dit quoi de mauvais? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire que ma chance, c'est que on va moins de choses, on trouve toujours un truc à dire. Non. Non, non. Non.
dis quoi en off? Pourquoi vous aimez toujours les histoires qu'on va aller toujours parler en off? Ma question est de savoir, vous qui écrivez qu'on dit en off, est-ce que quand on dit en off, ça ne sort pas sur la toile? C'est une question. Oh, non, my goodness. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez que c'est gênant quand quelqu'un a envie de s'exprimer? Tu sais quoi, Ella? Je vais te dire pourquoi je n'ai pas pris ma caméra pour donner mon point de vue. Je suis libre de prendre ma caméra comme je ne suis libre de ne pas le faire. D'accord? Je parle de ce que je veux sur la toile. Personne ne me dit ce que je veux. Et si je n'étais pas mal, si je n'étais pas mal hier, j'allais lancer le direct hier soir. J'avais prévu que j'allais décrypter ce direct-là. Et même le direct de Flore, j'allais le décrypter. Mais j'étais très mal hier. Donc ne dis pas que pourquoi tu n'as pas toi-même. Je n'ai peur de personne. On n'insulte pas. Est-ce qu'elle a insulté? Elle n'a pas insulté Tata Lolo. Pourquoi est-ce que ça fait comme si c'est un gros problème? Pourquoi est-ce que ça devient une affaire comme si ma chie a eu un truc? Non, elle n'a pas insulté sa soeur. Elle lui a dit certaines choses et tout. Soyons aussi fair play, non? Elle lui a juste dit certaines choses que voilà, ouais, ma, ne fais plus comme ça. Ouais, ma, paf. Mais c'est la vérité en plus, tout ce que Tata Lolo. Hein? Apprenons à laisser que les gens critiquent les leaders. C'est dans la critique qu'on réussit. C'est quand on te dit que non, ma, ici là. Mais c'est parce qu'on est leader qu'on ne peut pas nous dire des vérités ou qu'on ne peut pas nous dire certaines choses. On doit accepter la critique. Ce qui fait mal quand je dis que les lolomaniens pleurent beaucoup, ça va, on va encore dire que wow, wow, wow. Je sais comment me lyncher, mais moi, je m'en fous. C'est quoi le problème? D'accord. Je fais mal, dites-moi que tu as mal fait. Je vais moi-même m'asseoir, je vais analyser le contexte. Je vais dire que ouais, nanana, j'ai pas besoin de forcément entrer ou venir me justifier que j'ai fait ci, je n'ai pas fait ça. Machin, non. Vous avez reproché à Madoka, j'ai lu les commentaires, non. Oh, nanana, hein, machin, c'est mon titre descendu. D'autres ont écrit que voilà, maintenant, Madoka, on t'envoie plus les étoiles. Donc, genre, les étoiles, c'est pour payer son silence. Donc, on envoie les étoiles, là, c'est pour payer le silence de Madoka. Aka. Non, non, je n'ai pas. Je dis que j'ai aimé son direct. J'ai aimé ce qu'elle a dit. C'est pour payer son silence? Non. Nous sommes avant tout des mères. Nous sommes avant tout des femmes. Nous sommes avant tout des braves personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de manger seul. On n'a pas besoin de quelqu'un pour lui donner à manger. Les étoiles... Dis donc, Ella, je te donne mon point de vue de quoi par rapport à quoi. Je n'ai rien à dire. Ce qui se passe là, chacun gère sa vie. Voilà, je donne mon point de vue sur quoi. Tu veux que je donne mon point de vue sur quoi, au fait? Hein? Quand j'ai donné mon point de vue hier matin, tu n'étais pas au courant? Il faut arrêter, hein? Tu n'as pas vu que hier j'ai donné mon point de vue? Les personnes qui veulent parler, parlent. Les personnes qui ne veulent pas parler, ne parlent pas. C'est leur problème. C'est tout. C'est quoi avec vous? C'est quoi? Je donne ma part de point de vue. Je donne quel point de vue? Je donne le point de vue sur quoi? Sur la sortie de qui? Dites-moi. Parce que Dorcas. Vous pensez que moi, ça me fait plaisir qu'il y ait le clash entre toutes ces personnes, mais non. Mais bon, ce qui est arrivé, arrivé. Voilà. Ce qui est arrivé, arrivé. Tout ce qu'on dit, ça... Tu fais ton blog comme tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire. J'ai donné mon point de vue sur l'affaire qui se passe. Et non qu'à se clasher si elles veulent. Ça me fait quoi?
tant qu'à se clasher. C'est ce qui a allumé le feu. J'aime allumer le feu. Ah bon? Vraiment. Eh, Seigneur. Eh, mon Dieu. L'immaturité de ça. J'aime allumer le feu. De quoi, en fait? J'aurais allumé le feu depuis longtemps. Ça aussi, on doit aussi dire. Elle aime allumer le feu pleurnicheuse. Vous pleurez trop, dis donc. Les personnes qui ne sont pas contentes, là, désabonnez-vous de ma page. Je vous dis ça. Vous aimez trop pleurer. Arrêtez ça. On a le droit à la critique. La critique fait grandir. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Hein? Moi, ça ne me dit rien. Hein? Ça ne me dit rien. Voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Ça ne me dit rien du tout. Maman Doka, c'est une grande blogueuse, internationale reconnue. Donc, elle a le droit de venir s'asseoir, dire que voilà, voilà, voilà. C'est tout. Ça ne plaît pas, c'est pas mon problème. Ça plaît, c'est pas mon problème. Mais je ne veux pas qu'elle se rabaisse à dire que je demande pardon, alors qu'elle a donné un conseil qui était normal. Alors, c'est tout. Il n'y a pas de conseil. Tellement des perdus de la nature, comme ça, je ne les laisse pas dans mon live. Voilà, le pardon libère. Mais je ne pense pas que Maman Dorcas avait besoin de demander pardon. Je suis désolée. Moi, je ne pense pas qu'elle avait besoin de venir dire que je demande pardon. Non. Parce que Maman Dorcas n'a pas clashé sa soeur. Maman Dorcas n'a pas insulté. Maman Dorcas n'a pas rabaissé. Maman Dorcas n'a pas manqué de respect. Elle a dit ce qu'elle pense. Elle a dit juste, elle a donné des conseils. C'est tout. Elle a donné des conseils. Pourquoi est-ce que ça fait comme si elle a dit que. Hmm? C'était pas une critique comme si peut-être elle était en train de dénigrer Tata Lolo comme si elle avait fait un truc. Non. Non, mais arrêtez, dis donc. Vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez toujours qu'on caresse. On caresse à un moment donné. Hey, non. Tata Lolo m'écoute. Tata Lolo est en train de voir le direct. Et je sais que les Lolomanias sont en train de voir ce direct-là. Moi, je dis à Tata Lolo que Tata Lolo, ta soeur ne t'a pas mal parlé. Je suis désolée. Et si bien même tu avais vu que ta soeur t'a mal parlé, toi aussi tu pouvais. USA, tu es la team, tu es la mère des États-Unis. Les États-Unis ne négocient pas. C'est ce que toi tu dis souvent, non? Donc tu n'es pas là pour négocier avec quelqu'un. La personne qui veut te donner, te donne. La personne qui ne veut pas, basta. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Moi aussi, je viens travailler mon argent. Je vous parle là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de manger. Voilà. Dorcas, tu es visionnaire. C'est juste dommage parce que les gens ne comprennent pas. C'est tout. Si tu avais allumé ta caméra comme ça là, comme tu as allumé hier là, tu venais framponner. Parce que il y a eu aussi des critiques sur le live, la sortie de Flo. Si tu étais venu comme ça et que tu framponnais, la reine Mébio, que tu framponnais Flo, voilà. Mais ce n'est pas ça. Même si tu as dit ce que tu penses à la reine Mébio, mais tu as aussi bien fait de donner des conseils aussi à ta soeur. C'est tout. Tu as donné des conseils aussi à ta soeur et on doit aussi accepter ça. Moi, j'accepte que tu donnes des conseils à ta soeur. Donc, tant pis pour les personnes qui vont le voir mal, qui vont prendre ça un jas. Mais, Madocas, ton poste là, c'est pas bon. C'est tout. Ton poste là n'est pas bon. That is it. Voilà. Donc, comme tu es des États-Unis là, oh, chaperon rouge, moi je te prends vite fait parce que moi je suis au travail, je vais pas tarder à entrer. Je dois pas tarder à aller commencer le travail. Je dois pas tarder, je vais prendre vite fait. Mon frère, moi je suis pour la critique sur la toile. Je suis pour la critique sur la toile. Comme critique, bonjour. Coucou. Pour Black Beauty, bonjour ma grande, bonjour. Bonjour, excuse-moi, je sais que tu es au boulot, je vais pas durer. Oui. C'est juste pour dire que je suis en train d'écouter ce que tu dis et tu es en train de très bien parler. Mm-hmm. Voilà. Même s'il y avait des excuses à demander, parce que j'ai suivi les deux
Et qu'est-ce que... Attendez que je baisse le téléphone. Voilà. J'ai suivi les deux. Et Dorcas, Oui. son intervention n'était pas Exactement. mauvaise. Mais par contre, je trouve qu'elle n'a pas suivi, elle n'a pas bien suivi, elle a raté Les des épisodes. épisodes Et elle a qu'on dit. n'était pas là. Et elle a Voilà, dit. elle a raté. Du coup, elle n'était pas tellement au courant de ce qui s'est passé. Alors, elle a pensé que Lolo, en assistant dans des directs, elle a mis des cœurs. Mais Lolo a beaucoup évité de soutenir ces gens parce Bon. qu'elle ne voulait pas froisser les autres. Chaperon rouge, je vais te poser une question. Tata Lolo, elle est libre. Voilà. Tata Lolo, Mais elle est libre non, de non, mettre mais les cœurs. elle a dit que c'est ça parce que ce n'est pas ce qu'elle elle a dit, ce n'est pas ce qui a causé le problème. Le problème venait même d'ailleurs depuis, mais bon, c'est juste des petits points. Je voulais dire qu'elle n'a pas besoin de venir faire un post parce qu'elle aussi, elle est une blogueuse et ça la rabaisse. Exactement. Elle peut demander à sa sœur en aparté que, excuse-moi, j'ai raté un épisode, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et ça se limite là que de venir écrire pour que tout le monde puisse voir ça. Parce que elle aussi, elle est une autre blogueuse. Ce n'est pas nécessaire, même si elle faisait certaines critiques. Et puis, ce que j'ai déploré, c'est que quand elle fait les critiques, elle ne doit pas comparer à une autre blogueuse. Parce Bon, que c'est aussi des petits trucs qui apportent la des... polémique, on peut le Oui. dire. Il faut dire que non, prends-toi comme une grande bourgeoise, n'assiste pas à toutes les directs. Mais Mais tu là, sais aussi, attends, tu sais aussi, la comparaison aussi n'est pas mauvaise en soi. Hein. Honnêtement, c'est un peu comme souvent, on va te dire que Renault a construit une voiture Mercedes. Mais quand on va chez Mercedes, on voit que chez Mercedes, c'est plus solide. Ça permet à Renault de réfléchir aussi. Donc, je ne sais pas. On peut poser bonjour, une bonjour à question. tous. Bonjour. Oui, Bonjour. oui. Alors, elle a donné des conseils, comme on peut donner des conseils à sa sœur. Ce n'était pas méchant, même comme ce n'était pas tellement le problème qui a... Ce qu'elle a dit, ce n'est pas ça qui a créé tout ceci. Non, ce n'est pas ça. Lolo, elle est libre aussi d'assister et soutenir parce que Mais même si elle ne fait pas... Même si... moi, je suis contre le... Je suis pas contre les conseils. Mais quand quand c'est ta personne, si tu veux lui donner le conseil, j'ai vu des gens écrire que pourquoi Lolo n'a pas mal pris ce que Marthe lui a dit. Mais Marthe n'avait pas le droit. Ça, c'est C'est ma ton avis. pensée. Quand Oui, tu as quelqu'un, ce n'est pas en direct. Ce n'est pas devant tout le monde. Si tu veux lui donner des conseils, ce n'est pas devant tout le monde. Je vais te dire pourquoi le conseil de Dorcas ne passait pas forcément dans la tête de Lolo en ce moment-là. Parce que à la veille, quand Mafo fait son direct, il y a beaucoup de petits couacs dans le direct de Mafo qui ont fait en sorte que moi-même, je n'ai pas aimé beaucoup de quoi que Mafo a dit dans son direct. Il y a beaucoup de choses. Il faut que les gens arrêtent de se victimiser tout chaque fois parce qu'elle a souvent cette habitude-là, comme si elle est la sainte de la toile et c'est les autres qui font. Les autres font les alliances du aide-moi parce que elle a dit ça. Mais sauf qu'on a vu qu'elle allait faire l'alliance avec Ngossa. Personne ne lui dit rien. Elle a fait son alliance et tous les jours, elle se tapait la poitrine qu'elle a fait son alliance quelque part, machin. Tout le monde fait les alliances. Le conseil de Madame Focas n'était pas mauvais. Mais je dis en direct non. Je suis Tu désolé. sais quoi, Ceux qui moi. vont le prendre mal, c'est leur problème. Mais je dis, le conseil n'était pas mauvais. C'était un très bon conseil. Mais quand tu as C'est ta personne, ça dont je tu parle. prends le temps de l'appeler à côté. Tata Matt. Oui. On a toujours cette tendance à dire toujours que prenons le temps d'appeler à côté. Et j'ai dit ça dans mon direct tout à l'heure. Le problème, c'est que même quand parfois on appelle à côté, ça vient toujours nous retrouver ici sur la toile. Et c'est ça qui est dommage, on nous bloque. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que parfois, à un moment donné, qu'on laisse les gens s'exprimer. Il faut que les gens apprennent à s'exprimer et qu'on accepte les critiques. Tant qu'on ne va pas apprendre à accepter les critiques les uns des autres, ce sera toujours un problème. D'habitude, la critique, elle n'est pas mauvaise. Je viens de te le dire. Oui, La mais critique n'est pas mauvaise. Quand tu sauf as ta personne, ce n'est pas en direct. Ce n'est pas en direct c'est que tu dois critiquer ta personne. le Non, problème se non, passe non. où? Je vais te dire pourquoi. Il y a Rémi Bio qui saute sur tous les sujets. Dès qu'elle voit Attendez. quelque chose, elle a sauté. Déjà hier, tu as vu qu'elle a utilisé ça hier. Bien, A utilisé ça. Donc, bien sûr c'est qu'elle a très utilisé. intéressant. Bien Oui. sûr. Tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi elle a utilisé?
Tu sais pourquoi Reine Mère Bio a utilisé ça? Parce que Tata Lolo aussi aurait dû, si, comme toi tu dis, elle a mal fait, elle n'aurait pas dû, mais Tata Lolo aussi aurait dû ne pas venir dans le live aussi parler. C'est Tata Lolo pas. Avec Je ça. suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire, que je ne valide rien. Moi, je ne suis même pas dans le live de ce que Flo a dit. Je ne parle pas d'elle, parce que pour l'instant, là, je n'ai pas encore décrypté son nom, parce que même ma soeur va décrypter le direct de Flo. Moi, ce qu'elle est en train de dire, que on est juste en train de parler au niveau du fait que la colère, l'histoire qui se passe et que Maman Dorcas donne son avis et qu'elle l'explique à sa soeur que bon, voilà. Pour moi, je ne pense pas qu'elle devait faire, bonjour mon cœur, elle devait Non, faire mais un post encore pour surtout s'excuser. que Madocas va sur le fait que peut-être la reine Mère Bio attaque Lolo parce que sous prétexte que Lolo est. Non, c'est pas la reine Mère Bio qui doit dire ça parce que quand les problèmes là ont commencé, Lolo était en retrait. Madoc ne pouvait pas faire ce reproche-là à Lolo en direct Ah, parce qu'elle a je vu que sais, Lolo était en moi retrait depuis un moment. C'est oui, mais moi Dorcas je et pense, Tata Na. Dorcas et Tata Na qui répondent à la reine Mère Bio et à Patricia depuis un moment. Lolo est en retrait. Donc, Dorcas ne pouvait pas venir faire ce reproche-là en direct. Je suis désolée. moi c'est pas, est-ce qu'elle a, moi j'ai trouvé qu'elle a donné des conseils, c'était quoi le reproche qu'elle a fait? Parce que moi j'ai entendu des conseils. Quant à Chou, le mauvais esprit que tu as sur les réseaux sociaux, continue à véhiculer ton mauvais esprit, là, Quant à Chou, toi, le faux profil, Quant à Chou. Le jour qu'on va te démasquer, je crois que tu vas disparaître de Facebook. Quant à Chou, mauvais esprit là. De la problème. Blabi, tu ne m'écoutes pas. Je n'ai pas dit que le conseil était mauvais. Quand tu as ta personne, Blabi, tu es fâché elle-même. Tu n'es pas content de la reine Mère Bio parce qu'elle t'a fait des trucs en direct. Parce que c'était ta tante, c'est ta soeur, elle devait te faire ça en inbox. Non, même, non, 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 moi-même non, avec n'acceptons pas attends, ce je que. t'explique. Non, ne Attends, demandons pas à laisse-moi, Lolo. Vous laisse-moi, savez, Tata je vais parler. Tata Lolo, Marc, laisse-moi avec te ce que dire, Tata Lolo Marc. dit de la reine Mère Ouais. Bio, uniquement pour rien, Est-ce que je t'ai dit que la reine Mère Bio a ce n'est raison de pas chercher en Lolo? direct que Est-ce que ce je n'est t'ai pas dit en que la direct reine que Mère Bio a Dorcas doit raison? nous faire ce reproche. Écoute-moi. L'autre, Vous j'ai pouvez demandé accepter Lolo, ou ne pas accepter, mais est-ce c'est que Tata aussi mon Lolo, point de vue. est-ce que donc, est-ce que je t'ai dit, est-ce que j'approuve que la reine Mère Bio a le droit de clasher Tata Lolo? Non, parce que je sais que dans cette histoire, Tata Lolo est restée en retrait. Tata Lolo n'a pas parlé, n'a pas attaqué la reine Mère Bio de front. Donc, pour ma part, j'ai dit que non, ce n'est, le clash, c'est pas normal. Maintenant, moi, je reste, tu sais, ce qui est différent, c'est que moi, quand je parle d'un sujet, je reste sur le sujet. Quand je fais ma sortie, qui dit à Madoka, est-ce qu'elle n'a pas le droit de venir dire que, Maman Yoki, de Maman faire son Yoki, poste là? on ne C'est va, juste une question. Tata Lolo ne dit pas les Lolomania parce que les Lolomania sont en train de faire leurs choses. Tata Lolo ne donnera pas l'heure à la, elle ne va pas répondre à la reine Mère Bio. Elle doit On répondre ne va pourquoi? pas répondre à la reine Mère Bio. Elle ne va pas répondre à la reine Mère Bio. On va laisser Je la pose reine le Mère point Bio fou. faire ce qu'elle a fait. À droite. Il y a des personnes qu'on décide de répondre et des personnes qu'on ne va pas répondre. Voilà. Mais c'est clair, c'est plus une obligation de répondre à tout. À tout, c'est clair. Les femmes là ont décidé de sortir des clashs et elles vont rester dans leur coin. Elles n'iront Non. plus dans les clashs. Chacun va mener ce qu'il a comme projet et il va le mener jusqu'au bout. Quoi Tout a décidé simplement. de faire de l'événementiel, même si de temps en temps elle peut pécher, mais elle a décidé d'être dans l'événementiel, de ne plus être dans les clashs. Et c'est ce qu'on et on va l'accompagner là-dedans. Et Tata déjà, Lolo a dit. et Tata Lolo à sa télé, on les apprend pas d'ici. Elle veut Chacun son mener d'autres truc. combats aussi. Et on va l'accompagner là-dedans. Point. Voilà. Si la Moi, veuve j'accompagne tout le ouvre monde. aussi Son le restaurant, gouvernement de la nous, joie, on est dedans. on va l'accompagner dans le gouvernement de la joie. On est fatigué des clashs. On est fatigué des clashs sur les réseaux sociaux. Donc, il faut laisser les gens qui sont en train de clasher. On ne répond plus aux clashs. Ne demandez pas pourquoi elle ne va pas répondre à tel. Est-ce que ce que la reine Mère Bio dit de Tata Lolo, c'est nouveau aussi sur la toile? C'est les mêmes choses. C'est déjà du vu et vu, entendu partout, partout. On n'a rien à foutre avec ça. Et ça va pas finir Lolo. Ça va pas la tuer. Va pas tuer Lolo. Donc faites ce que vous voulez. Mamou, tu dis que lorsque Flore donne son avis, donc Flore peut. C'est clair. Pourquoi faire ça? Vous voulez qu'elle On vienne n'a répondre pas à dit ça. quoi? Voilà, même
Si Fleur a dit, si Fleur a dit ça, ça n'a pas le dit. On ne parle pas. Moi, je n'aime pas qu'on parle des enfants et des parents. Moi, j'ai toujours été content. Mais un petit enfant qui ne connaît, mais qui ne connaît même pas encore la vie, vous lui attribuez des choses parce qu'elle est partie en vacances avec sa maman. On a dit à Fleur, à Patricia a dit que Fleur, ton fils, c'est un dealer. Il vend la drogue en bas de l'immeuble. Fleur a répondu. Est-ce que Fleur a répondu? Vous racontez quoi même? Qu'elle doit aller répondre. Elle répond quoi? Elle n'a pas répondu à Flo. Et vous avez vu que Lolo n'a pas répondu à Flo. C'est Amado qu'elle a répondu. Lolo n'a pas répondu à Flo. Donc arrêtez vos histoires qu'elle vient répondre à Flo. Elle n'a pas répondu à Flo. Elle a juste posé la question à Dorcas. Est-ce que c'est normal que Dorcas même déjà vient parler de ça en public et qu'elle dise, est-ce que elle, Dorcas, va accepter qu'on dise de son enfant ceci, cela, et elle va accepter que quelqu'un vienne lui donner le conseil en public. C'est pourquoi je vous dis que le conseil de Dorcas n'était pas mauvais, mais c'est le fait de le faire en public, en sachant que sa soeur est blessée, parce que Lolo est blessée. Il y a la Reine Bio qui est sur de l'autre côté, et puis on veut parler de son enfant. Je parle de mon enfant, je te trouve, je te tue. Je vous dis ça. Vous qui aimez parler des enfants déjà, tu parles de mon enfant en main, je te trouve, je te tue. C'est ça. Ta fille est arrivée au travail. Je vais, à bientôt. Je sais que mon nom va jaser. Mais bon. Tata Mad, bonjour, des bisous. Oui, mais maman, elle répète ce que la Reine Bio dit. Est-ce qu'elle doit répéter ça? Elle doit répéter ça. Vous êtes sérieux? Elle doit répéter ça. D'un enfant de 15 ans. D'un enfant de 15 ans. Comment est-ce que même la reine Médio n'a pas dit ça. Même la reine Médio n'a pas dit ça. En tout cas, je vais laisser les enfants hors de ça. C'est quoi? C'est ça le bloc camerounais. Le fait d'avoir amené les enfants, les parents dans des choses, vraiment, c'est... Ça n'arrange pas. Les enfants ne demandent, n'ont pas demandé à se retrouver dans sa vie. C'est les enfants. Oh. Donc, voilà, c'était mon avis. Merci à vous. Continuez de vous abonner. Et à bientôt. À bientôt. Bon boulot. Yeah, merci.